Salut abonné. Bon, d'abord on va parler de ma voix, parce que oui, j'ai une voix sûrement un peu de canard, je m'en excuse, je suis vraiment désolé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'ai un rhume depuis 15 jours, et puis ben, chez les jeunes ça se soigne rapidement, chez les vieux, comme moi, un peu moins vite. Va falloir faire avec. Une autre chose avec laquelle il va falloir faire avec, c'est mon look. Je parle pas de mes vêtements, je parle surtout de ma tronche. Quoique mes vêtements aussi parfois, mais bon. Là je suis rasé, je suis bien coiffé, même assez court. Mais des fois ça peut arriver que la barbe pousse pendant des semaines et que ça ressemble plus à grand chose à part à quelqu'un qui éventuellement a fini sur une île déserte et même au niveau des cheveux, hein, c'est régulièrement un petit peu wall again best to fly. Une expression que plus personne n'utilise depuis 40 ans. La vidéo elle est là aujourd'hui pour une chose, d'abord m'excuser, je voulais m'excuser parce que j'ai créé la chaîne au tout début du mois de janvier et puis juste derrière vous avez eu une semaine plus tard la première vidéo du 6-12 mais malheureusement depuis il ne se passe pas grand chose sur la chaîne et s'il ne se passe pas grand chose sur la chaîne c'est pour deux raisons principales. La première c'est que créer une chaîne YouTube même si tu en as envie c'est parfois un peu déstabilisant et puis deuxièmement c'est que... Moumoun qui pointe. Moumoun, j'ai pas le temps, je fais une vidéo. Allez. Et puis surtout, c'est que mes vidéos, pour l'instant en tout cas, comme je les ai prévues, elles nécessitent tout le temps la présence de quelqu'un, donc d'un invité qui va pouvoir parler avec moi. Le souci, c'est que je m'étais pas forcément renseigné et tout. Sors, dégage. Donc, je vous disais, mes vidéos sont prévues pour deux personnes, moi et quelqu'un que je puisse interviewer. Le problème, c'est que même si le premier interviewé a été rapide à trouver, les autres sont pas forcément partants, etc. etc. Donc, il faut d'abord que je trouve des clients, entre guillemets, que je puisse interviewer, et ça prend du temps. Parlons maintenant des vidéos de la série de vidéos qui s'appellera Passion. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, il s'agira d'une série de vidéos où je vais aller rencontrer des gens qui ont une passion. Ça peut aller du potier artisanal qui fait ça chez lui, qui vend ça sur les marchés, à la personne qui fabrique du miel dans son jardin, ou alors quelqu'un qui travaille le cuir, qui se fait ça sur un petit stand, sur des marchés, qui fait du cuir en dehors de son travail, ou alors si c'est carrément devenu son travail, ça, je verrai bien. Mais ça, c'est pareil. Encore une fois, j'ai besoin d'avoir des gens en face de moi, donc je dois passer pas mal de coups de fil, d'échanger des emails, etc. Et c'est pas forcément évident de trouver tout de suite des gens. Il faut que j'attende que les premiers marchés, premières brocantes extérieures se fassent. Et bien évidemment, dans les Hauts-de-France, le temps n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est pas avant le mois de mars, avril que ce genre de choses recommence. Et donc, les vidéos passion arriveront plus tard, je pense, fin mars, début avril, et puis aussi peut-être pendant tout l'été. Enfin, ça démarrera plus aux environs du mois de mars. Dans tous les cas, rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser tomber. Je vais essayer de trouver des petits concepts de vidéos qui n'ont peut-être rien à voir avec passion ou alors le 6-12. Mais je vais essayer d'occuper en tout cas l'antenne pour essayer de vous divertir différemment. Je vous parle depuis le début de la vidéo du 6-12, d'ailleurs j'ai prononcé son nom plusieurs fois, j'ai encore de le faire d'ailleurs, mais le 6-12, même si la chaîne débute à peine, va changer de nom, parce que je me suis rendu compte que ce format était, j'espère, intéressant, il y a quand même déjà plus de 80 vues je crois, donc c'est pas mal, mais peut-être que le format est un peu long, 12 minutes c'est peut-être un peu trop long, donc il va changer de temps, c'est-à-dire qu'il va passer en dessous de 10 minutes, et comme il va passer en dessous des 10 minutes, je ne peux pas l'appeler le 6-12, c'est plus possible. Il sera aux environs entre 6 et 8 minutes. Et désormais, le 6-12 change de nom et on appellera ça le Kezako. Kezako, ça veut dire qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est? Bien voilà, c'est justement le thème de ces vidéos. Donc, que ce soit le 6-12 ou que ce soit le Kezako, ça ne change pas grand-chose au principe de la vidéo. Mais ça correspond mieux. Et puis au moins, je peux faire du 6 minutes, du 8 minutes, du 10 minutes, du 9 minutes, 7 minutes. Je fais ce que je veux à ce niveau-là. Il n'y a plus de contraintes de temps. Mais en tout cas, ça ne dépassera, je pense, plus jamais les 10 minutes. J'ai peur de vous lasser et j'en ai pas envie. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, je ne pourrai pas faire tout de suite les vidéos de style passion. Je vais essayer de faire le plus rapidement quand même quelques vidéos du Kezako désormais, puisqu'il s'appelle comme ça. Mais entre deux, je vais peut-être essayer de vous faire quelques petites vidéos. Et comme la prochaine vidéo ne sera pas un Kezako, puisque j'attends encore des réponses de futurs interviewés, je vais vous proposer une vidéo qui sera un peu différente et je l'annonce tout de suite. Ça sera une vidéo où je vais vous présenter quelques chaînes YouTube que moi je suis. Ça sera donc une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les chaînes YouTube, enfin un panel de chaînes YouTube que moi je regarde, que ce soit de l'histoire, du divertissement ou même encore l'expérience, de la tech, etc. Les choses que moi j'aime bien regarder, ça, peut-être que vous ne les connaissez pas, peut-être que vous pourrez aller les découvrir. Donc ça, ce sera la prochaine vidéo qui, je vous le promets, arrive la semaine prochaine. En début de vidéo, je vous parlais de ma voix, de mon look. Je vous disais qu'il fallait pas trop faire attention à ma tête et pas non plus forcément à ce que je porte. En revanche, aujourd'hui, si, on peut faire un petit peu attention à ce que je porte parce que je porte un petit truc là.
Hein, c'est facile, c'est bien écrit là-dessus. Puis là, on va voir le dos ici. Je vais vous mettre le dos juste ici à côté de moi. Je porte ce sweat que j'ai reçu cette semaine. Je l'ai commandé cette semaine. Tout le monde connaît cette marque, hein, c'est la marque de vodka. Si vous ne connaissez pas vodka, cherchez sur YouTube, vous allez trouver. C'est vraiment pas mal. Alors, cette marque au départ a été créée pour les riders, donc les gens qui font du BMX, éventuellement des skaters, et puis éventuellement aussi des gens qui font de la trottinette. Non, je déconne, vodka, ne me casse pas la gueule. Tout ça pour dire que ça a été créé au départ pour les riders. Mais moi je suis pas un rider, hein, vous m'avez regardé, c'est pas un BMX qu'il me faudrait, c'est un tracteur. Non, faut pas se moquer, hein. Ok, je me suis auto-vanné, mais vous n'êtes pas obligé de vous marrer derrière votre écran. Bon, tout ça pour dire que j'ai découvert la marque, j'avais envie d'en acheter, mais j'étais pas certain. Je vais pas vous cacher, moi je suis une taille quand même assez large, et la marque Unicorn ne fait que jusqu'au double XL. Donc j'avais un doute, je m'étais dit, ah, est-ce que ça va passer? J'ai commandé en double XL parce que j'avais vraiment envie de porter un de ces sweats. J'ai dit sweat, un de ces sweats. Et puis voilà, je l'ai mis, je l'ai posé et ça va nickel. Donc je vais sûrement d'ailleurs en acheter. Je voulais juste en parler rapidement. Je vous mets quand même dans la barre d'infos le lien de Unicorn Rare Legends. Si vous voulez en acheter, n'hésitez pas. Je suis pas payé pour, hein. Ça se saurait. avec 26 abonnés, votre connaît, ça ne sait même pas que j'existe. Alors c'est pour vous dire. Mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que je suis super content. C'est chaud, c'est confortable. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mets un lien dans la barre de description. Pour terminer, je vais parler d'une chose que je ne pensais pas devoir en parler, mais même les youtubeurs très connus comme Vodka justement le font en ce moment dans leurs vidéos et je crois comprendre pourquoi. Ils insistent beaucoup sur les pouces bleus, sur le fait de s'abonner, de mettre la cloche, et moi je vais insister aussi sur un truc qui s'appelle le watch time. Le watch c'est regarder, time c'est temps, donc de temps regardé, donc le temps de visualisation d'une vidéo. Il faut absolument que vous preniez le temps de regarder les vidéos jusqu'au bout. Si elles vous plaisent, de toute façon, ça n'a aucune raison que vous n'allez pas jusqu'au bout. Le pouce bleu, c'est important aussi pour le référencement. Et puis, s'abonner et la cloche, là, c'est important pour vous. Parce que sinon, vous n'êtes pas notifié des nouvelles vidéos. Donc voilà, désormais, vous m'entendrez régulièrement vous demander en fait vidéo le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche et puis aussi le watch time. C'est important. Si une vidéo vous plaît, regardez-la en entier. Bon, allez, je vous accorde que le générique de fin, vous pouvez le zapper. Mais tout le reste, ce serait vraiment cool de rester. Si ça vous plaît, restez-y. Bien sûr, ça vous plaît pas, vous quittez, mais encore une fois, si ça vous plaît, restez jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, je vous laisse. Je pense ne pas avoir fait trop long. De toute façon, le montage est fait pour couper et faire une vidéo pas trop longue. J'espère d'ailleurs que vous l'avez regardé en entier. Je vous dis à bientôt. Allez. Ah oui, comment je finis déjà? Ah oui, salut abonnés.